Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler d'une célèbre tomate, c'est la Green Zebra. Donc la Green Zebra, c'est la tomate verte la plus connue, mais probablement aussi la plus savoureuse. C'est celle qu'on vend le plus sur notre site. C'est une variété qui est extrêmement riche en arômes, qui nous vient des États-Unis, qui a été créée par Tom Wagner, et on va s'intéresser dans quelques instants au plan de cette tomate. Voici notre pied de tomate Green Zebra. Vous voyez ici qu'on a déjà une grappe avec 6 tomates, dont une ici qui est mûre. On va s'intéresser à ça tout de suite après. D'abord au niveau du plan, donc on a un plan, si on regarde, qui monte environ jusqu'à 2 mètres de haut, c'est-à-dire 1,80 à 2 mètres. La Green Zebra, c'est une tomate de mi-saison, donc une tomate qu'on peut récolter 75 à 80 jours après la plantation. Et vous voyez que la taille idéale pour cette tomate, c'est la taille monotrou. Donc on conduit la tomate sur un tronc unique en supprimant les gourmands. Alors à noter que la Green Zebra n'est pas très résistante aux maladies, c'est le prix à payer pour avoir une tomate aussi goûteuse. Alors un petit truc pour savoir quand elles sont mûres, donc ici clairement si je touche, la tomate est dure, elle n'est pas prête à être récoltée. Ici on voit que la tomate est jaune avec ses fameuses rayures vertes, elle est molle, je vais donc pouvoir la récolter et on va d'ailleurs tout de suite la récolter et la goûter dans quelques instants. Alors voilà, j'ai récolté la Green Zebra, on la regarde d'un petit peu plus près. C'est une tomate ronde de calibre moyen qui va peser de 80 à 120 grammes. Et vous voyez qu'on est sur une couleur vert émeraude avec des rayures de zèbre vert. Au niveau productivité, je vous en ai pas parlé, on est sur une productivité faible à moyenne avec seulement 2 à 3 kg de tomates par plant. C'est le prix à payer pour une tomate avec un goût exceptionnel. Alors on va la couper tout de suite de façon longitudinale pour voir un petit peu le contenu. Alors, vous voyez, regardez, magnifique, on a une magnifique chair dense. La tomate est composée de 2 alvéoles distinctes et on a bien cette chair vert émeraude magnifique qui ressort ici. Au niveau du goût, je vais la goûter immédiatement ici. Là. Donc regardez, on voit cette texture presque gélatineuse ici. Je vais la goûter. Là. Ça, c'est un véritable régal. Donc on a une saveur aromatique légèrement acide, presque citronnée ici. On est vraiment dans un régal. Alors au niveau de la cuisine, ça c'est idéal en salade ou bien en carpaccio. On peut également les faire confire. Et ce qui est exceptionnel, et je vous mettrai une vidéo de cette recette très prochainement, c'est la tarte aux tomates Green Zebra qui est vraiment délicieuse. Voilà, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo de tomates. J'ai créé il y a maintenant un an le site grainesdetomates.com. C'est un site dédié à la vente de tomates sur lequel vous allez trouver une centaine de variétés. Elles sont toutes cultivées par moi et par ma famille dans un contexte 100% bio, 100% artisanal et 100% local. La caractéristique de ce site de vente de graines, c'est que vous allez pouvoir acheter vos graines à la caisse, fini d'acheter des sachets de 50 graines à 5 euros où on n'utilise que 5 des 50 graines. C'est tout l'avantage de ce site. On a une livraison ultra rapide, donc dès la commande, tout
est envoyé en un jour ouvrable et vous allez trouver toute une série de variétés anciennes. Donc si vous voulez des graines de tomates de qualité, bio, artisanale, locale, rendez-vous sur grainesdetomates.com.